Et bonjour. Bienvenue pour la suite de notre aventure sur Shadow of the Tomb Raider. On doit trouver la reine blanche, si la souris veut bien. Oui, voilà. La souris ne voulait pas bouger. Alors... Hein? On va dire que les textures, ça va mieux? Je sais pas. Ah, le PC a été redémarré, je tourne pas ça le même jour du tout. Mais voilà. Le berger est devenu roi. Quel destin. En vrai, je pense que c'est mieux. Mais je sais pas, je sais pas. Je pense que le PC, La coupe de Saint-Jean. Il avait besoin d'un nettoyage. L'apôtre avait reçu un calice de vin empoisonné. Mais il a béni la coupe et le poison s'est transformé en serpent. Il a donc pu boire le vin sans problème. Du lourd. Bon, on a un truc, c'est 90 Est, 30 Sud, je crois. Voilà. 30 Nord, 90 Est. J'y étais presque. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être. D'accord. Un rouleau byzantin. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est de l'empereur Justinien. Un artefact égyptien. Une boîte du mauvais œil. Son contenu était censé aider et nourrir les gens dans l'au-delà. Non mais, secours. Je peux pas zoomer sur le... Bon. Louis XIV, le roi Soleil, épousa Marie-Thérèse, mettant un terme à une longue période de guerre entre la France et l'Espagne. Pauvre reine, Marie-Thérèse est morte d'une longue agonie, suite à laquelle le roi déclara « C'est bien la première fois qu'elle me cause du souci. » Sympa. La pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrein. Ah. Le roi et la reine blanche. Il y a un truc avec les boucliers. Et du coup, ça fait bizarre de l'entendre dire « il y a un truc ». Alors, avec tout le vocabulaire qu'elle emploie. Une barbe de la moitié du 14e siècle. Germanique, je dirais. Une barbe pareille. Ça devait être lourd pour ces pauvres chevaux. Une citation de Chaucer. Quoi de mieux que la sagesse? La femme. Quoi de mieux qu'une femme pleine de bonté? Rien. Ok, bon, du coup, maintenant, l'énigme. L'énigme. Je vous avoue que le coup de 30 Nord, 90... Attendez, j'ai réussi encore à me gourer, hein, je crois. Non, 30 Nord, 90 Est. Ça, c'est pas clair. Hein. Je vous avoue que c'est pas clair, le... bon, déjà, on a... Voilà, on a la couronne qui est censée être là. Est-ce qu'on a un truc qui représente une couronne? Que dalle, hein. Que dalle. Par contre, on a les boucliers qui sont censés être de part et d'autre. Pour moi, ouais. Donc, on va bouger ça. Mais où sont les pions blancs? Ok. Non, tu... Non, tu veux pas arrêter? Bah... Ouais, si c'est... On va poser... Ah mais non mais... Ouais, j'ai pas posé du tout le bouclier au bon endroit. Mais... Bon alors... On va essayer de poser les boucliers en premier au bon endroit et ensuite on verra pour le reste. Ah, sachant qu'il y a des lignes... Non. Je croyais qu'il y avait des lignes blanches et des lignes noires, mais non, pas du tout. Non. Premier ça. Ensuite, on prend ça, on le décale. Ça, on va le pousser parce que, à mon avis, c'est pas une couronne. Après, il y a peut-être un truc à faire avec le globe, hein, ceci dit. Ceci dit, moi, je m'en suis approché, j'ai pas vu d'interaction, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas, en fait. Déjà, ça, c'est bon. Je pense que ça, c'est bon. Alors, ça. Ah. D'accord. Donc, 15 nord, 30 nord.
Non. 90S, on a dit. Oh tiens, qu'est-ce que ça va nous montrer comme endroit? Hein. Ça ne montre pas trop l'endroit où on est, par contre. Parce que là, on est en Asie, là. D'accord. Oui. Complètement. Ça a marché. Ah. Ah oui, bah oui, tout simplement. Mais il y avait un truc à... C'est fait, ça? Bon, c'est... On va dire que le fait d'avoir passé bouclier aux bons endroits... ça devait être ça. Peut-être. Prof, t'as rejoint la mezzanine interdite. Elle va devoir se méfier. Un bébé tyrannosaure? Un bébé, ouais. Est-ce qu'il a perdu sa maman, lui aussi? Un Yatiri, un guérisseur sud-américain. Baba Yaga. Pas du tout. Ok. Bon, ça, je peux pas le regarder. D'où qu'on les regarde, ces masques ont l'air de vous observer. Ouais. Ouais, ouais. Un présage de mort et symbole de grands changements. On dirait que c'est Maya. Kukulkan, peut-être. Je me demande qui sont ces deux chiens. C'est des chiens. Heureusement que tu le dis que c'est des chiens parce que... Ça vient de Colombie. Un masque. On serait pas douté, honnêtement. Je me demande si ses yeux ont vu l'aile dorado. Je n'avais jamais vu certains de ces artefacts avant. Ok, ok. Continuons. Un ossuaire. Il contient les os d'une personne décédée. L'inscription est illisible. Donc ça, on a ça chez nous. Très bien. Tout va bien, hein, tout va bien chez les Croft. Hein. C'est le genre d'armure que portaient les conquistadors pendant les grandes découvertes. Je me demande ce qu'ils ont trouvé. Ok. Une statue d'un hariki. Ça vient des îles Cook. 25e dynastie. L'intérieur du sarcophage est incroyablement élaboré. Ouais, il y a quand même vachement de détails dans le sarcophage. Hein. Mais on peut descendre par là aussi? Nani? Non. Ouais, alors attends. On dirait que c'est grec. Non, perse. Je me demande ce qu'elle peut garder. Ah. Une lionne perse. Mais quelqu'un lui a pris sa tête. Je me demande ce qu'elle regardait. Le masque mortuaire d'Agamemnon. Trouvé à Mycène. Un masque tribal africain. Tout en or. Ashanti peut-être. Donc ok, finalement... Ah oui, il y avait un délire de chauve-souris ouais, sur le dessin. Effectivement, ouais. Maintenant c'est clair, oui. Les ailes de la chauve-souris se déploient. C'est ainsi que Lara devint Batman. Ouais. Non, on peut pas faire de roulade. Non mais descends. Ouais, et du coup j'ai réussi à mal placer les boucliers. Super. Super. Effectivement, ils étaient orientés dans l'autre sens. Hein. Ils auraient dû mettre la puce à l'oreille, mais... Bon...
chevalier réfléchit le rayon de lumière. Ah, mais je les ai pas inversés, les deux boucliers, là, du coup. De les avoir inversés. Je peux le bouger encore ou pas? Non. Bon bah alors du coup ça a l'air d'être bon. Je veux dire que c'est bon. Non mais la caméra qui change de côté là. La voilà. La reine blanche. Prise au piège. Je dois l'aider. Ah. Du coup, il faut que je rebouche ça. Remonter l'escalier, j'imagine. Pas du tout. Si. Non mais, au secours. Maintenant, je peux la libérer. Et de la lumière jaillit son amour libéré. Putain, c'est élaboré, hein. Le cœur battant, notre aventurière passe la barrière d'un monde inconnu. C'est à maman. Par les chauves-souris, dit le chevalier rouge. La reine blanche lui sourit avec curiosité et dit : Non, je n'ai pas peur des chauves-souris. Je n'ai peur d'absolument rien. Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on chevauche en direct en Égypte. Et papa, il est où ? Au travail. Je suis sur le point. Tu es toujours sur le point. Ton obsession va détruire notre famille. Obsession? Mon obsession? Tu rates l'enfance de ta fille parce que tu pars toujours fouiller des tombes à l'autre bout du monde. Tu pourrais pas te réjouir de ce que tu as. Oh, mais bon sang! Rien ne vous oblige à vous. Papa? Allons, je vous en prie. Vous devez comprendre, c'est certainement la plus importante de toutes mes découvertes. Bon, ok, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qu'il faut ? Papa ? Papa ! Bonjour. Donc une montagne couronnée d'argent? Ouais. Je me demande bien ce que la jungle nous réserve aujourd'hui. Oh, je sais pas, mais on s'en sortira. Ah, ça peut pas être pire qu'hier, pas vrai? Oui, j'ai des nouvelles tenues, mais
Ah, c'est ça, les nouvelles tenues. Ah, c'était sympa, hein. Vigilance des ennemis. Attendez. Les ennemis prennent plus de temps à repérer et identifier Lara comme une menace, réduit le bruit. Bon. Ouais, allez. Hein. Ah, mais c'est le truc qu'on a crafté avec le jaguar. Ok, je comprends. Ouais, c'est... C'est sympa. C'est sympa comme souvenir. Ce qu'on a eu, là. Ouais, c'était cool. Ça devait être sympa, l'enfance de Lara. Et sachant que, voilà, hein, le père... j'allais dire c'est marrant. Non, c'est pas marrant du tout. Mais ce qui est intéressant au niveau de la façon dont c'est fait, je trouve, c'est... j'ai jamais pris ça. C'est que ça se fait en deux temps, parce que d'un côté, t'as le truc, t'as le souvenir avec la mère, où t'as Lara qui dit « Ouais, papa, il est au travail !» Et t'as la mère qui est en mode « Ouais, bon, tu sens que ça l'a fait chier. » Donc, plus la dispute. Et puis derrière, le suicide du père, quoi. C'est gay. Et du coup, bon, Lara, là, qui est en train un peu de remarcher dans les travers de son père. Donc, on va voir comment ça évolue, mais... On va voir. On verra bien. Bon, en tout cas, on continue. Tout oui, non. Plein. Oui. Je peux plus rien. Non, mais au secours. Ok. Oh, des flèches. Attendez, est-ce qu'on est où, là? Oui, on s'était fait attaquer par le jaguar. Non, oui, si, c'était là. Oui. C'est bon, je me rappelle. Donc là, on n'a pas visité, quoi. Ici, on connaît pas, en fait. Tout est plein. Oui. Je peux plus rien prendre. Ok. Alors, c'est bonne ambiance, hein. c'est bonne ambiance, ce début d'épisode, en tout cas. Ah, c'est cool, hein. Non. Non, parce que je vais le rater. Ça ne sert à rien. Ok. Ah, j'ai pas fait gaffe, on avait peut-être accès au voyage rapide, hein, mais... Mais c'est pas sûr. Comment j'attends ça, moi? Ouais. Je peux pas lui tirer. Bon. Pire, c'est pas très grave. Hein. C'est pour des plumes. Ça devrait le faire. Ah, mais. Au secours. Oui, non, c'est ok, je connais ici. Ouais, ok. Bon, Jonah, on a besoin de toi. Ok. Très bien. Ok. Et donc on part en direction du village, hein. Normalement. Comment ça devrait aller? Alors c'est par là, donc c'est pas par là. Donc on va aller là. Comme d'habitude, hein, finalement. Finalement on connaît les bails. Non, la carte, la map. Au secours. Donc, derrière moi, une cage de survie. Là. Alors, c'est pas une cage de survie, une caméra. Oui. C'est une caméra X700. Ça m'en avait une. J'en étais tellement jalouse. C'est exactement ce qu'il faut pour partir en expédition à la recherche d'une civilisation oubliée ou d'un monument. Sa présence ici prouve bien que des gens sont venus dès les années 80. Même si le monde moderne se moque d'eux, certains rêvent encore d'anciennes légendes. L'objectif est fêlé. On dirait presque qu'il a reçu un projectile. Si tu le dis, hein, écoute... fêlé, oui, mais... Pour le projectile. Tuer et dépecer des animaux pour trouver des ressources. Ouais. Alors attendez, est-ce que d'après la map, j'ai encore raté 12 milliards de trucs? C'est terrible. Je
comprends pas. Je comprends plus, je comprends jamais. Bon, un jour on verra, un jour on regardera vraiment la map. Mais attendez. C'est le tout début ça. Ou c'est moi qui... C'est moi qui délire. Déranger 4 nids d'Oropandal. D'Oropandola. Voilà, l'XP, hein. Donnez l'XP. Pour l'instant, j'ai que mon arc en arme, non? Ouais. C'est ce qui me semblait. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'accord, ça c'est le défi. C'est mon objectif. Mais du coup, le tombeau. Ouais, le tombeau, il est par là. Parce que là, c'était le début du jeu. C'est là où on a récupéré l'arc, justement. J'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Journal de Jack 6. Au secours. Pourquoi ça me parle pas cet endroit? 9 août. Pourquoi on est jamais allé là? Cette page ici afin de dissiper le mystère si jamais notre quête devait m'être fatale, tout comme elle l'a été pour mes compagnons. Je m'appelle Jack Fawcett. Je suis parti de Cuyaba dans le Mato Grosso le 20 avril 1925 avec mon père, Percival Harrison Fawcett, ainsi que mon meilleur et plus ancien ami, Raleigh Rimmel, à la recherche de Z. Je suis le seul encore en vie. Mon père a succombé aux assauts de deux féroces jaguars et Raleigh à notre bêtise. Je suis dans un piteux état, mais je n'abandonnerai pas. Mon père était persuadé que nous étions tout près de Z et moi aussi. J'avance vers l'est en laissant deux tombes derrière moi, en espérant que je ne me dirige pas droit vers la mienne. C'est sympa, hein, bonne ambiance en tout cas. Et du coup, ouais, bon bah alors voilà, l'intérêt visiblement de ces documents, c'est de montrer l'obsession des explorateurs. Pour l'instant, en tout cas c'est comme ça que je le vois, mais... Parce que ça a l'air d'être un des thèmes principaux du jeu. A priori, hein. Mais on verra bien. Du coup, il faut que je sois vigilant au truc de... au nid de... ça, là. D'Oropandola. D'Oropandola. Je vais y arriver. Ok. Non. C'est derrière moi. En fait, j'aimerais bien aller au tombeau, du coup. Si on est bien vers là où je pense, on doit pas être loin du tombeau. Donc, moi ça m'intéresse, hein. Si vous voulez, la quête principale, c'est cool, hein, mais bon, bon, voilà, on a avancé dans la quête principale. On est où là? Secours. Non, mais on connaît ici. C'est grave. Oui, oui, voilà, preuve en est, on connaît. On connaît, on a ouvert cette boîte. Bon, le fait que je m'en rappelle pas, c'est un autre débat finalement. Il n'y a plus qu'un. On va faire des flèches. Oh le lapin. Oh bah. Ah, t'es plus facile à viser qu'un lapin, hein. Désolé. Hein. Ouais. Ah non, mais attendez, oui, je peux marquer, je peux mettre des balises normalement. Comment on fait? Non? Si? Toujours pas? Hein? Au secours. Comment on fait pour mettre des balises? Y'a pas un bouton? Bon, ça a l'air d'être par là. Essayons de trouver le tombeau, comme ça au moins on fait ça et... moi je suis content. Ouais... Non. Alors après le truc c'est que là je suis en fait j'essaie d'être vigilant à l'endroit où il y a le tombeau, enfin de me diriger vers le bon endroit tout en essayant de regarder s'il n'y a pas les... Voilà, ça. Le défi c'est fait. Ah et là on connaît pas ici, on n'a pas pu y aller.
Et là, ça mène où? Mais au secours, et ça c'est quoi? Un coffre au trésor. Aïe aïe aïe. Va-t-on s'en sortir? Parce que là on est où? Ah là on est là où il y a... Ouais ouais, là on est là... Comment il s'appelait? Miguel. Ah, c'est là où Miguel il s'est fait niaquer. Ouais. Donc on n'est pas du tout au bon endroit. On va y arriver. En fait, là pour le coup, le défi, les défis tombeaux actuels, c'est de trouver le tombeau. Et ça, c'est mon défi personnel. C'est... Je pense pas que le jeu il considère ça comme un défi par contre. Ouais. Oh, il est où le coffre là? Ouais. Il est marqué comme étant en dessous là. Ah. Ah, oula. Non. Ah. Non. Mais. Ouais, mais je pense que c'est ça, là. Je pense que c'est là-dessous. Le problème, c'est que... Je sais pas comment on y accède. Bon, on verra ça plus tard. C'est pas ma priorité. Ouais, comme je vous l'ai dit, le but, c'est pas forcément de faire un 100%, c'est surtout de faire les tombeaux. Et le reste, voilà. Ah, voilà! C'est par là. Oui. Oui. On y est. Ok. Et bam. Bon, on doit avoir le temps de le faire. Alors, pistolet grappin, ouais, ouais, pour l'instant on me le rappelle, tant mieux, hein. Tant mieux qu'on me rappelle ça, parce que... Mais non, mais... D'accord. Si un jour on va plus me rappeler que je peux faire ça, ça va être catastrophique. Ça doit représenter l'un des seigneurs de Shibalba. De la graisse pour améliorer vos armes au feu de camp. Bon, ça pour l'instant, à part si on peut améliorer l'arc avec, voilà. Je peux monter là. Ah mais là il va y avoir un problème. C'est que je vais descendre. Ah non, ça remonte pas. Ok. Tout va bien. Nous faisons découvert. Ok. Alors. Si c'est bon, j'ai le voyage rapide. Parfait. On va attendre. Quel est le cœur d'un grand animal? Ouais. Ah, augmenter les chances de trouver des animaux rares. D'accord. Bon. On va attendre d'avoir plus de points de compétence. Après, c'est vrai que je pourrais regarder si je peux améliorer des trucs, mais... Écoutez, on a le temps. C'est encore le début du jeu, hein, je pense. Je pense qu'on est encore quand même globalement bien au début. Hein. Allez. Attendez, il y avait un truc là? Non. Bah non.
Ouais, ouais. Ah, ouais. Ouais. Ok. Et a priori, ouais, hein, les tombeaux là dans ce jeu, c'est des vrais tombeaux. C'est pas une épreuve. C'est ici qu'on amenait les accusés pour qu'ils se battent. Une épreuve sur la victoire. Des ça c'est bien. Seul juge réputé infaillible. Ceux qui prouvaient leur innocence pouvaient partir, mais les coupables étaient exécutés et envoyés à Shibalba. Super. Incroyable. C'est un terrain de Poketok. De Poketok, oui. Oui, Lara. Je te crois, hein, mais... J'avoue que j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, il faut faire gaffe au... Ouais. Non, mais... récupère le venin, là. Bon, trop tard. Le récit d'un jugement. Alors que les dieux s'étaient convaincus que Metnal n'avait pas tué sa femme, un pélican vint se poser au pied de l'accusé. L'assistance s'en trouva quoi? Cet oiseau vit près de la mer et ne s'aventure jamais aussi loin dans les terres. Les représentants des dieux décidèrent donc de voir ce que le pélican allait faire. Il vola en cercle autour de Metnal, battant des ailes et poussant de petits cris, avant d'ouvrir le bec et de laisser tomber un poisson à moitié mangé devant lui. Pour tous, il s'agissait là d'un signe de sa culpabilité et il fut presque aussitôt exécuté. Eh ben, sympa, hein. Sympa. J'hésitais à faire ma blague, mais je pense que ça collerait pas trop à l'ambiance si je mettais ma rêve, sachant que je suis même pas sûr que ce soit des pélicans. Bref. On va laisser ma sunboard tranquille pour l'instant. Ouais. Ouais. On saute là-dessus. Ah. Ah oui, d'accord, mais ouais, ouais. D'accord. Bon, la grosse énigme elle a l'air d'être là. Mais t'as toute une zone, t'as tout un lore. Ouais, bon. Et puis ça se trouve, c'est pas fini. Pour l'instant, je préfère la façon dont sont fichus les tombeaux là dans ce jeu. Pour l'instant. Après, ça se trouve, je vais me dire ah, finalement, c'est comme les autres jeux. Mais bon. Ah bah voilà, très bien. Ça, on accroche ça. Voilà. Ça déjà, c'est fait. Ensuite. On peut pousser ça. Ah non, on peut pas. Visiblement, on peut pas. Si. Lara, fais un effort. Lara. Merci. Ouais. Ah. Hein? Secours. Après, si je repousse ça, ça va pas faire tomber le truc par magie comme par magie. Déjà, refaisons ça. Non. Comment je remonte? Comment je remonte, ouais?
Bonne question, ça. Comme ça. Tout simplement comme ça. Parce que là, si je fais ça... Ouais. Le problème étant, voilà. Et là, le truc, c'est que je peux pousser ça, mais... Là, c'est bloqué. Ça, je peux le pousser là-bas. Bon, je vais essayer de faire mon idée, mais je suis pas sûr du résultat, là, je vous avoue. Je crois qu'il faut que... Ok, ouais. Faut que je fasse redescendre ça. Dans tous les cas. Ah, mais attendez, hein? D'accord. D'accord, on peut faire ça aussi. Ça marche. C'est une possibilité. Journal de Jack. Ah, mais c'est la première page, ça. 23 mai. Hein. Plus d'un mois s'est écoulé depuis notre départ de Cuiabá. Nous avons jusqu'ici consommé nos vivres de manière méthodique et le moral est au beau fixe. L'âge de père commence à se faire sentir lorsque nous voyageons à pied. À plusieurs reprises, j'ai surpris Raleigh regarder derrière lui pour voir si nous arrivions toujours à le suivre. À chaque fois, père lui rétorque avec le sourire que bientôt, c'est lui qui prendra la tête de notre expédition. Ouais, ça c'était quand tout allait bien, quoi. Est-ce qu'on a tout là-dessus? Mystère de la Reine Blanche. Non, mais le mystère de la Reine Blanche, oui, d'accord. Mais au secours, comment je... Hein? Carnet de Lara, non, le quotidien Zinka, conquérant. Pas du tout, expédition inconnue. Comment je fais pour voir ça? Hein? Pas de mission secondaire activée. Qu'est-ce que ça... Hein? Comment ça? Bon. Bon, donc, refais descendre ça. Mais elle est pénible, cette corde, là. Moi, ça avance. Comment ça, elle a pas lâché la corde? Ah oui, l'autre corde. Oui. Oui. Non, mais du coup, c'est bon. Ça va être bon. Tac, là. Je fais ça et ça. Voilà. Et là, on remonte. Bon, on peut remonter comme ça, en fait. Non, Lara, s'il te plaît. Please. Please, Lara. Oh, les sauts qu'elle fait, hein. Toujours un truc qui m'impressionnera. Hop là. Voilà. J'espère que l'échelle est moins pourrie qu'elle en a l'air. Ouais. Non mais. Lara, fais un effort, please. Je m'apprête à appuyer sur E. Parce que je sens que ça va s'écrouler à un moment donné. Pas du tout. Tout s'est bien passé. Ok. Bah c'est bon du coup. On est bon. On récupère les trucs qui sont là. Les trucs qui sont là. Thune Rider. Très bien. Et la récompense. Cœur du caïman. La santé se régénère plus rapidement. Ah. Bon, bah très bien. Écoutez, le regard du juge, c'est fait. Trouver une sortie, ouais. J'ai cette corde là. Je pense que cette corde, elle va m'aider. Mais alors, comment va-t-elle m'aider? La question, elle mérite d'être posée.
Non ? Ah si. Si si. Bah tout simplement là-bas. Ah ouais, c'était en face de moi, ouais. Ouais, ouais, ouais. La base. Hein. Bon après, j'aurais pu redescendre par l'échelle, en vrai. J'imagine. Mais bon. C'est quand même plus rapide par là. Ah oui, non mais attendez. Non. Non, parce que... Eh ouais. Effectivement. Effectivement, ça s'était écroulé sous mes pieds. C'est vrai. Oh. Qu'est-ce qu'elle a la musique, là? Faut se calmer. D'accord. Tout cassé. Ben voilà. Un nouveau point de compétence. Ou c'est toujours le même, peut-être, mais... Mais j'aime à penser que c'en est un nouveau. Et let's go, hein. Ah, d'accord. Mais on est où? Au secours, on est où? Faut pas me faire ça, moi, hein. Je le perds vite, hein. Ok. Hop. Je sais pas où je suis. Je suis encore perdu. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ouais. Voilà. Le piolet grappin. Bon là, je pense que la chute est mortelle. Je pense que la chute... Hein ? Aïe. D'accord. Et c'était là, c'est de là d'où je venais. Très bien, bah du coup c'est bon. Du coup, c'est fait. Et en vrai, on a une durée d'épisode convenable. Hein. Ce serait peut-être mieux de s'arrêter là. Hein. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver Jonah. Normalement, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Donc ça risque de nous prendre 5 minutes, mais... on va essayer de retrouver Jonah et on va s'arrêter. Non, en vrai, de toute façon, voilà, au pire, j'ai ce... J'ai ça. Un petit lapin là. Ouais. Ouais ouais. Non mais. Après il y avait un endroit où je suis pas allé du coup aussi. Si. Si c'est l'endroit où ça a ramené à Miguel. Très bien, bah du coup on est bon. Voilà, la suite de la quête c'est par là. Qu'est-ce qui se cache derrière derrière ça? On le découvre tout de suite mais en réalité on devrait le découvrir la prochaine fois. Voilà. Qu'est-ce qui se cache de ce côté de la forêt? Mais non mais pas du tout. Hein? Mais au secours. Pourquoi mon curseur il me dit ça là? C'est faux, c'est par là la suite. Donc qu'est-ce qui se cache là-bas? On le découvrira la prochaine fois. On va y arriver. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien. Bye bye.